Mais tu fais rien, là, je te le dis. Promis? Encore des problèmes, hein? Allez, viens. Ça sert à rien, Florence. Ça leur fait même pas peur d'aller en cours. Puis Diane, on parlera pas. C'est quelque chose? Non. Même pas un petit lait au chocolat? Arrête de penser à Diane. T'as fait ce que tu pouvais pour elle. Allô? Oui, ça va, Pierre. Oh, mon Dieu, je sais pas. Sais-tu, Pierre, je préférerais t'appeler. OK, moi, je t'appelle. OK, bye. Arrête, Lisa, arrête. Maintenant, il faut que tu penses à toi. Est-ce que toi, tu veux t'en aller de chez vous, oui ou non? Je sais pas. C'est si grave que ça, ce qui se passe chez nous. Pourquoi faudrait-je aller le raconter à tout le monde? Arrête! Recule pas, Elsa. Oui, c'est grave ce qui se passe chez vous. Tu le sais, tu le sens dans toi. Faut que tu passes par la cour du BS si tu veux que je te sorte de là. C'est la dernière fois. Après ça, là, tu seras plus jamais obligé de compter ta vie à personne. Fais-moi confiance. Qu'il t'arrive quoi que ce soit, je serai là. Avez-vous fini par trouver mon père? Oui. Allez, viens. Après tout ce que tu lui as fait, je trouve que tu as du front. Que l'ami de ta mère t'a déjà battu avec une barre de fer et qu'il vous tripote, toi et ta sœur Diane. C'est pourtant ce que tu as dit à Madame Benoît. Est-ce que je dois croire que tu aurais exagéré aussi pour le reste? Qu'il sache. J'ai trop honte, Florence. Je vais m'en aller. Chez toi. Bon. Laisse faire les tripotages d'Arthur pour le moment. Dis au juge le vrai pourquoi toi, tu veux t'en aller de chez vous. Je veux m'en aller de chez nous parce que ma mère... Je pense que ma mère m'aime pas beaucoup. Je veux dire... Je pense qu'elle m'a jamais aimée. Que maman ne donne pas de volée aujourd'hui. Puis qu'elle dise qu'elle m'aime beaucoup, beaucoup. Puis faites que j'aie pas à vous le dire deux fois. Bon, vous êtes mieux. Maman?
permission de rentrer dans ma chambre, toi? Va-t'en! Débarrasse! Je vais pas le voir la face de la journée. Tu vas comme ça? Je vais pas donner permission de sortir. Mais vous aviez dit que vous vouliez pas me voir la face de la journée. File dans ton coin, là, si tu veux pas manger ta volée. Tu vas apprendre à qui obéir, mais sans talent. Que je te vois jamais te lever de ta chaise sans ma permission. Je m'excuse, maman. Je voulais pas vous faire de peine. Si au moins tu faisais un effort, que ça te rentre dans la tête. Mais t'en as pas. Hé! Bouge de là, puis tu l'as. C'était une bonne semaine? Pour moi, oui. Toi? Tu le demandes? Regarde sa chaise. C'est ça que t'appelles une bonne semaine? Parler de moi, Martha. Pour moi, c'est une bonne semaine. La paye, c'est une autre affaire. Mais où est-ce que tu veux qu'on aille avec ça? N'exagère pas quand même, hein? Je peux pas faire 50 piastres de bonnet chaque semaine. Hein? C'est la paye normale. Eh oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'été arrive, les petits moineaux chantent, les fleurs commencent à s'ouvrir. Y a pas grand monde qui a envie d'acheter mon parfum de chiffre de ce temps-ci. Chiffre, c'est moi. Papa? 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 Même une guenon. Quand je venais de te dire que j'avais pas le goût de retomber enceinte tout de suite après Richard. Qu'est-ce que tu veux? La nature, c'est la nature. Hein? Pourquoi tu t'en fais, princesse? Hmm? Avec l'argent qu'on a à la banque, là. Le sous-sol de ta maison, il est déjà bâti. 15 ans! Ça fait 15 ans que tu me chantes la même chanson. Ma blouse! Ma blouse! Oui, mais tu peux pas te lever, toi. Tu voyais bien que c'est en train de brûler. Puis maman m'a dit de pas me lever. Tu l'as vu, là, ta maudite hypocrite. C'est une même en semaine longue. Puis t'as le droit de prendre sa défense. Martha, faisant pas de maladie, je vais t'en acheter une autre, c'est tout. Avec quoi? T'es gnochon, des fois. C'est fini, là. Je vais t'en acheter une autre. Toi, si tu veux. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle laisse brûler ma plus belle blouse, puis tu trouves que c'est pas grave. Mais qu'est-ce que t'attends pour y donner la voilée qu'elle mérite? C'est rien qu'une blouse, Vermont, arrête! Si t'as donc pas, fais-moi la noter. Frappait très, très fort, comme à point fermé, disons, ou si elle t'administrait une petite gifle comme ça, juste par nervosité. Ça dépendait. Elle disait jamais mon nom, par exemple. Elle disait jamais Lisa. Même en maudit contre moi, elle disait jamais mon nom. Elle faisait juste fesser. Ton père disait rien quand ta mère te frappait? Il remettait à sa place, des fois. Mais elle avait le don de gagner sur lui. Au revoir, Richard. Viens souper, là. Vous autres aussi, les filles.
Qu'est-ce que tu fais là, grande innocente? T'as pas entendu ton père? Tu m'avais dit de pas me lever sans votre permission. C'est pas nécessaire. Viens souper, Lisa. Vous avez entendu ça, les enfants? L'homme de la maison qui vient de parler. Il doit savoir ce qu'il fait. Vu que c'est lui qui vous a sur le dos toute la semaine. T'achèves-tu, là? Puis vas-y, vomis. Et pas peur. Fais-la, ta petite comédie. Ton père est en amour avec toi, il te battra pas. Arrête les niaiseries, là, Elisa, mange. Hein? Non. Qu'est-ce que t'attends? Tu vois pas à quoi elle joue? T'as rien dans les culottes, Gérard Trudel. À elle s'il n'y a rien d'autre pour souper. Une semaine après, jour pour jour, ma mère s'est trouvée un amoureux. Ça a été le deuxième chambreur chez nous. Je m'en rappelle parce qu'elle a commencé à sauter des jours pour mes volets. Celui que tu appelles son amoureux, c'est son concubin aujourd'hui, nommé Arthur Sirois. Oui. Je les ai vus rentrer à la caisse en venant de l'école. Arthur lui a donné un bec dans le cou. Maman sortait de l'argent au lieu d'en déposer. Elle allait acheter ses billets de loto avec ça. Elle en achetait des sacoches pleines. Attends! Qu'est-ce que t'as fait? L'argent?
Il n'y a plus rien. Tu l'as flambé? Panique pas, Gérard. Là, je ne l'ai pas flambé. OK. OK, montre-moi là. Où c'est qui est? Je l'ai placé. Dans quoi? Dans quoi? Tu veux le savoir dans quoi? Tu vas le savoir. Tiens! Avec ça, au moins, on a eu notre chance. S'il avait fallu qu'on attende après tes petites payes de minable! Oh, 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 oh! Maudite chienne, tu m'as tout pris! Les malades vont le faire soigner! Maintenant, écoute, Elisa, et réfléchis bien à ce que tu vas me dire. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si tu te souviens d'avoir été battue assez fort pour que ça mette ta vie en danger. Pourquoi vous revenez toujours là-dessus? Des volées, je n'ai mangé depuis que je suis née. S'il y avait juste ça. Quand ta mère t'appelle jamais autrement que sans talent. Quand elle te prend jamais dans ses bras. Quand elle t'a jamais donné un seul bec de ta simple maudite vie. Et toi, t'as pas d'école? La maîtresse nous a dit qu'on pouvait partir. Ah oui? À cause de ça. Et qu'est-ce que c'est? Une surprise pour nous. Une surprise. On va regarder ça. Il est beau. C'est moi qui l'ai fait toute seule. T'as fait ça toute seule? Oui. Mais c'est merveilleux, ça. Tiens. Tu vas lui trouver toi-même une place où le mettre. On le met dans le salon? Non, tu gèles. Cherche. Mais dans votre chambre d'abord. Non, tu gèles encore. Cherche. Je vais t'aider. Maman va t'aider. Vas-y, cherche. Oui. Ici, on va l'accrocher. Non, ça marche pas encore. Tu gèles trop. Vas-y. Vas-y, cherche. Sur l'armoire? Ça commence à se réchauffer, mais c'est pas ça. Cherche. Fouille. Vas-y. Je le sais. Sur votre chaise. Non, c'est pas encore ça.
Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Là, tu brûles. C'est-tu clair? Je veux rien qui vienne de toi. Rien. Rien arrivé? Non. Rien? Même pas un petit picotement, je sais pas. On t'a pas amené à l'hôpital? Non. Tu me jures que t'as vraiment avalé des épingles? Si l'armoire à pharmacie avait pas été barrée, j'aurais fait autre chose. Elle vous a même pas raconté le quart de ce qu'ils lui ont vraiment fait. Sortez-la de là avant qu'il soit trop tard, de grâce. Bien sûr, vous avez raison. C'est fini, ma grande. Ça va bien aller maintenant. Tu leur as dit sur ta mère? Des petits bavassages, comme d'habitude? Laisse-la donc tranquille. Ça s'est bien passé? Ta mère, c'est une maudite folle. Arrêtez donc, maudit! Je suis cœurée de vous voir chialer comme si c'était tout le temps la faute des autres. Tenez-vous donc debout pour une fois. Madame Trudel, Monsieur Trudel, si vous voulez entrer. Les mauvais traitements que vous, votre mari et votre concubin lui avez fait subir, autant les blessures physiques que les blessures morales dont elle a souffert depuis qu'elle est toute petite. Mais je viens de vous dire que... Taisez-vous, madame. J'ai dit les blessures physiques et morales dont elle souffre encore aujourd'hui m'oblige à dire que vous n'êtes pas en mesure, ni vous, de vous occuper adéquatement de votre fille. En conséquence, j'ordonne qu'Elisa soit placée dans une famille d'accueil. Mais vous êtes des beaux écœurs, hein, vous autres? J'ai passé 16 ans de ma vie à m'occuper d'elle. 16 ans à essayer d'élever comme du monde, à faire mon devoir, toute seule, poignée avec cette maudite guenille de Soulon qui était jamais là. Puis vous venez me dire que je suis pas capable de m'en occuper. Calmez-vous, madame. Il y en a plus, madame. Il y en a plus. Vous la voulez, la petite hypocrite? Ben, gardez-la. Mais je vous avertis, par exemple, venez pas vous plaindre à moi si elle sème la main partout où elle passe.
maman? T'en as plus de mère. C'est ça que tu voulais? Ben, c'est fait. Amène les enfants où tu veux, je m'en sers. Je vais plus voir personne. Pourquoi tu jettes ça? Ne s'est pas encore servi? Ça pue. Tout ce qu'a touché, ça pue. Prends une bouchée. C'est pas bon que t'aies rien dans le ventre. Allez, viens. Est-ce que je suis obligée d'aller à l'école aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, on fait un pèlerinage. Un pèlerinage? Où ça? Il était une fois une petite fille qui s'appelait Lisa. Elle allait souvent dans un endroit qu'elle était seule à connaître. Là, elle pouvait pleurer tant qu'elle voulait. Ou bedon, manger des bonbons en cachette. Ou bedon, se raconter toutes sortes d'histoires qui la faisaient rire. Tu veux qu'on y aille? À chaque année, il y a des petites fleurs blanches qui poussent. Il y a encore de la neige, puis on leur voit le bout du nez. C'est qui? Ah? Antoine. C'est le neveu de mon oncle Guy, celui qui a une ferme. Tu m'en as jamais parlé? Ça a été tellement court. Quand papa est parti de la maison l'été passé, Arthur est venu dans le décor. Maman nous a tous envoyés passer l'été dans sa famille. Moi, elle m'a envoyé chez mon oncle Guy. Je vais vous dire une affaire, Florence. C'est le seul cadeau que maman m'a jamais fait de toute sa vie. Puis elle s'en rendait même pas compte. Bonjour Elisa, comment Bonjour. Ça va? Vous savez, ma tante, je pense que c'est ici que j'aurais dû naître. D'accord. Est-ce qu'Antoine est en vacances ici? Oui. En vacances? C'est fait maintenant. On l'a adopté. Oh. Installe-toi dans la chambre du haut. Quand tu seras prête, tu viendras nous rejoindre dans le jardin. OK.
Mélissa? Antoine! Ah, que je suis contente de te voir. Antoine, c'est Laurent. Bonjour, mon oncle. Ah, bonjour, bonjour. On se bécotera plus tard, là. Oui, grouille, Antoine. Je vous reste pas de synthèque. Mmh. Passage pas mal intéressant que vous m'avez lu l'autre jour, puis j'arrive pas à le retrouver. Lequel? Vous avez dit que c'était le sermon sur la montagne. Bienheureux les fous, bienheureux les enfants. Ouais. J'aimerais ça le lire à Elisa avant le chapelet, si ça vous dérange pas. On n'a pas le temps, Antoine, avait ça les mêmes prix. Ah, oh, excuse-moi rien. Vas-y, ma belle. Une chance que je leur ai donné la permission. Voyant les foules, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples vinrent auprès de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant: voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit tout. Poser des parties aux framboises. Ben non, ben non. Laisse faire les framboises. Correct? Bien. On devrait pas faire ça. Tu l'as jamais fait, Elisa. C'est toujours une première fois dans la vie. Couche-toi. Premièrement, ça, c'est efficace. Mais t'es fou, j'arriverai jamais à faire ça. Ben oui. Bien, ça, c'est pour l'arrêter ou le partir. Ça, c'est ta clutch. Puis tes freins sont là. C'est tout. Le fils sage aime la discipline. Le père qui épargne la baguette n'aime pas son fils. Celui qui l'aime prodigue la correction. Tu avais deux sections de clôture à poser aujourd'hui, Antoine. Je suis passé au clou, il n'y a rien de fait.
As-tu quelque chose à dire pour expliquer ça? Donc, tu m'as pas obéi. T'es d'accord avec ce qui est écrit? Si vous voulez. Me défendre. Il est pas méchant, Guy. Il est mêlé avec sa Bible. Il le sera encore bien plus s'il fallait que je tienne tête. Anyway, j'en ai plus pour longtemps ici. Tu vas t'en aller? Ouais. À l'automne. Ou l'an prochain, je sais pas. Finir mes études pour être professeur. J'aimerais ça te revoir en ville. Je sais pas. J'aimerais vraiment ça. Tu l'as revu depuis? Non, jamais. Ben, il t'a écrit? Je suis sûre que oui. Bon. Ben, il faut y aller, ma grande. Monsieur Lassalle t'attend. Est-ce qu'on va se revoir, nous deux? Non. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien de sacré pour toi. Mêle-toi donc tes affaires. T'es pas chez vous. Je peux te parler. Quel honneur, le barda. Je vais mettre Sylvie ici. Toute seule. Sylvie. Des potoirs, c'est juste bon pour le visa, ça. Change de ton, Gérard. Je t'ai pas invité. Tu parlais à travailleuse sociale? Pourquoi faire? Pour savoir où ils ont placé Elisa. Si je le savais, tu pourrais t'habiller en noir. Pleurer.
Parce qu'elle est partie, voyons. Elle va te manquer, hein? Il va faire beau quand je vais m'ennuyer de ta guenon. Pourtant pratique une guenon pour passer sa rage. Hey, t'es sous-entendu, Gérard Trudel. Garde les noms pour toi. Comme si je l'avais martyrisé. C'est elle qui a fini par nous séparer, en te racontant n'importe quelle menterie. Puis toi, pauvre innocent, tu la croyais dure comme fer. C'est vrai. La croyais dure comme fer. C'est même pas dire, hein? La bête est pareille. Veux-tu savoir pourquoi je la battais? Ton cul. J'avais tellement la chienne de ne pas avoir mon nanam. T'as pas de couilles, Gérard. Qu'est-ce que t'attends pour y donner sa volée? T'as rien d'inculade, Gérard. Elle a eu des fessées normales, comme n'importe quelle tête de pioche d'enfant en a besoin pour apprendre à vivre. T'appelles ça normal, toi? Et y a-tu une journée où elle n'a pas mangé une claque de ta part? Y a-tu une journée où tu l'as pas menacé au moins de manger une claque? Mène-moi le don que tu l'as battu comme un chien. Même pas comme un chien t'aurait mordu. J'y faisais même pas mal. À chialer pour rien. Ah ouais? Ouais, vas-y. Dis-moi-le que ça te fait pas mal. Dis-le. Veux-tu que je te le dise, mais pourquoi tu te fermes la gueule? Parce que s'il fallait que t'avoues que ça te fait mal, y a pas une maudite de tes mentries qui tiendrait debout. Gérard, reste. On va s'expliquer pour de vrai le reste. T'en connais l'explication. T'as battu ta fille comme ta mère t'a battu, c'est toi. Gérard!